Salut tout le monde, c'est Lucas. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série de Mi épisode 5. Et comme d'habitude, c'est un épisode de farm aujourd'hui. Soit parce que bah, pour terminer soit 2, on doit continuer sur cette lancée. Donc, je vous dis un très bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo sur Adopt Me épisode 5 de la saison 3. Donc aujourd'hui, c'est un épisode 2x2. Pourquoi? Parce que bah, oui, on a 2x2 encore. Qu'on a un petit peu farmé hier. Parce que aujourd'hui, j'ai terminé Néon Denver. Parce qu'on m'a donné un foudroune. Je suis assez content, donc j'ai pas pu faire le dernier. On doit farmer de l'argent, mais pas pour les dinosaures, parce que nous, on doit rester dans cette vie. Dans 5 jours, donc si je fais le délire, normalement ça doit être samedi dans 2 semaines. Ouais, a priori ça doit être ça. Donc samedi dans 2 semaines, on aura le prochain épisode de Trad, donc l'épisode 10. Donc, ouais, parce que j'ai fait le calcul là, dès maintenant, là, je me suis dit, oui, voilà, les boosters, oui, parce que... non, pardon. Samedi dans 2 semaines. Et la prochaine mise à jour, du coup, c'est les cadeaux qui vont être refresh. Bah oui, parce que ça faisait hyper longtemps qu'ils n'ont pas refresh. Donc, au moins, ça fait bien plaisir. Il faut farmer de l'argent parce que, oui, pour les cadeaux, ça sert à quelque chose. Moi, je vais pas trop farmer pour les cadeaux parce que, oui, hein, les cadeaux, c'est intéressant, ma foi, mais il faut pas non plus abuser sur le plan. Donc aujourd'hui on va monter Roxy, parce que oui, pour les personnages, parce que quand même une petite Roxy n'a pas besoin de personnages. On va essayer de le monter, je vais essayer de le monter beaucoup en niveau aujourd'hui. Comme ça au moins demain, pour la rentrée et la fin du x2, je serai plus ou moins pas trop mal pour les prochains épisodes, mercredi, samedi, dimanche, parce que je crois que c'est la dernière vidéo du x2. En elle-même, donc au moins ce x2 était exceptionnel. On a terminé la saison 2 de la Adopt Me et tout tralala, donc c'était cool. Dream Pet Slot, pourquoi j'ai un paresseux moi? Parce qu'elle dit slot, bah je réfléchis parce que paresseux, jusque j'en ai, non j'en ai pas, mais je le rachète le slot aussi parce que le slot, je crois que je l'ai plus. Hein. Du coup, ouais, la prochaine fois, je m'achèterai des robes, je m'achèterai, comme d'habitude, beaucoup de potions fly, comme l'autre jour, et 2-3 choses sur Adopt Me et sur Pet Simulator et Ropet, parce que j'oublie pas Ropet, parce que j'ai le pass à acheter. Et oui, parce que le pass de Ropet, il faut que je l'achète à tout prix, parce que quand même, je m'achète à chaque fois tous les passes, hein, mais je les fais pas, parce que c'est long et j'ai pas envie de monter en boucle. Chacun le fait, donc voilà. Donc aujourd'hui on monte Roxy. On va essayer de monter jusqu'au niveau 40 pour qu'il devienne un lieutenant. Et niveau 50, ça sera le dieu. Donc Roxy devient un dieu. Parce que oui, parce que Dina c'est le level 100. Et parce que Roxy c'est plutôt. Acceptable pour devenir un. Il deviendra aspirant à partir du level. On va dire 60-70 pour pas trop abuser. Même si on deviendra un dieu plus tard, quoi qu'il arrive. Alors, donc, on va regarder quelques personnes parce que des fois ils veulent des trucs assez rigolos. Ça, j'aime bien. C'est bon, des fois les rebondissements, ça ne sait pas. Et Lily, bah, c'est pas une vraie. Hein.
Incroyable. Il y a un néon frost. Waouh. Un néon bat. Wesh. Want Mega Chick. Ah, vous l'avez pas, moi, Mega Chick. Si, je l'avais avant. Ah, quand même. Il y a quelques pets qui m'intéressent de ouf. Il y a même un néon shadow. Oui, il y a des bons pets, hein, quand même. Et le scooter noir flou, là, qui est très rare en plus. C'est très rare, le néon scooter. Je crois que le scooter, ça y vaut au moins. Hein. Peut-être pas un méga shadow, mais je dirais au minimum un néon shadow largement. Si il faut un néon frost, ça me serait logique, mais je dirais quand même un frost. Un néon shadow. Oh, bon. Ça va y avoir un shadow, je le sens à l'avance, mais c'est pas être préparé là. Ouais, Wurgo, alors l'œuf, est-ce que je l'ai encore? C'est ça, je l'avais trad il y avait pas longtemps, et si je devrais tout à la fin en plus dans. Ah si, je l'ai! Je l'avais appelé. J'ai pas envie de dire le nom, je l'avais appelé pétasse, et oui. Donc attends, tac, on dit rideau. Ouli. Billy. Billy. Allez, Billy. Pourquoi j'ai appelé ça là? Ben, je sais pas, parce que j'avais appelé comme ça avant. Ah oui, parce que le nom normal, je ne sais pas, c'est marqué Wamp. Donc, s'il refuse, là, je comprends pas. Ok, bien, un chat. Craqué le gars, il a craqué hein. Là on dit cette fiche moi ce que je cherche c'est le gars de ça, il y a ça le gars de scooter doge, plus les pizzas et les trucs de test, les deux gars. Ça, ça doit... Ah, ça... Si je veux dire que ça a lieu, il y a un rat. Péba la taille du rat. Peut-être un, tous les pets qui sont plus dans le jeu, tout ce qui est. Le rat, 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 autre chose. What? Snowman. Snowman Koala, je les ai. Pingouin, je les ai. Brombeer, je l'ai plus. Drake. Truc de diva. Ah, il y a plein de trucs que j'ai là-dedans. Parce que Koala, Pingouin, Snowman, je les ai. Ça, c'est sûr. Donc, attends. On va essayer de trade le Snowman. On va voir ce qu'il va nous mettre. Un Snowman. Ah, peut-être il l'a plus mis à jour, hein. Donc attends, je vais mettre du coup le bonhomme de neige, si je le retrouve, parce que j'ai un snowman, donc. Snowman, donc je vais l'appeler. Bon, voilà, je clique dessus, donc bon. Donc le snowman, ah il va me mettre autre chose, ok, bah oui, parce qu'un chat, ça vaut pas trop. Hein. Une starfish, bon, et la décline, ok, bon, au moins, déjà, ça veut dire ferme-la ou autre chose, hein. Ah bon, si c'est ferme là, je le détruis. Hein, donc, je lui éclate les os. Bon, même si en combat singulier, je vais le faire. Un chat qui fait 30 kg. Je sais pas, on va dire 30 kg. Et une morsure l'équivalente de celle. Je sais que je dis n'importe quoi, c'est le dernier. Je vais pas, hein, c'est rare que je gagne dans tous les cas, mais quand même pas facile. Donc là, il y a quoi après? Ok, il n'y aura pas de camping, ça c'est une bonne nouvelle, parce que sinon il faudrait un peu de place. Ça veut dire enfermer là, je pense. Là, oh,
Firefox 9. Voyons voir ce qu'elle lui a proposé. Bon, tant pis, hein, parce que j'ai pas de bol, hein, parce que un slot. Aïe aïe aïe. Hein. Ah, y a tout le monde qui sort d'épée. I need, c'est quoi? Ah, ils ont changé, attends. Limite, il y a un truc. Il y a un truc qui s'est passé, là. Ils ont changé certains trucs de pet. Ah, ils ont changé des aliments. Ils ont changé de style, hein, légèrement. Ouais, et d'icône. Parce qu'avant, elle était toute dégueu. Et ils ont mis un truc plus réaliste. On n'a pas d'autre qui ont été chargés, hein. On a fait la Alcorne. Ouais, la Alcorne a changé de style, parce que je crois qu'ils ont plus de style, c'est un peu moche. Ma petite histoire, ouais, le méga gorilla, la vache, à vendre. Blue Dog, je l'ai pas. Mais par contre, il a des pets legs. Sont assez intéressants à propos de moi pour le dire, parce que j'ai besoin quand même la palme aussi aigle, pourtant le aussi aigle tout le monde là, hein. Ah, c'est en termes d'item, moi ouais, je crois que j'ai le star egg, lui le sortir le star egg, que c'est un top surprise. Allez, lâche-toi. Bon. Oui. Allez, encore. Et c'est dur de l'avoir aussi. C'est une femme, Sonic, Misty, c'est pas elle. En plus, je l'ai attrapé sans faire exprès. Peut-être Slot, c'est pas elle. Peut-être elle est directement partie à l'école, hein, je ne sais pas. De biquette, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je les trade, je crois que j'aurais dû pas faire ça au final, hein. Bah ce tous les lits sont pris, la vache. Et c'est quoi ça, c'est un vélociraptor néon ça? Ah bah oui, effectivement, elle a bien la tête, hein. Ah mais purée, arrêtez de voler, hein. Et oh, voler c'est donner, hein. Non, c'est peut-être l'inverse. Bon, hop, allez Roxy, rentre dedans. Roxy en premier, comme ça au moins c'est fait. Et c'est bon, je me laisse la place parce que si elle m'attrape, qu'elle me jette, ça j'aime pas. J'ai avec un farmer avec un pet que j'aime beaucoup. Ah, j'ai maintenant en peluche Roxy, ouais. Depuis série 3, c'est ma première. Parce que ouais, j'ai ma première en série 2. Moi, je crois que j'en ai aucune dans la série 1 de grande, donc je vais essayer d'en avoir une. Mais... En vrai, parce que je crois que dès que je trouve. Que... Par contre, je ne vois pas là. Je vais enlever le Star Egg. J'ai pile 1 400 $. Mais c'est excellent. Alors, ouais, bon, on va pas essayer de farmer jusqu'à 5 000. Parce que la dernière fois que j'avais fait un x2, bon, c'était pas lors des épisodes, mais c'était comment. Voilà. T'as compris quoi? Parce que. Je crois que c'était alors soit que c'est remise en question. Bon, de toute façon, j'ai pas de slot, hein. Donc c'est une trade, ça s'en va direct. Do you have creepy petware? Alors, je ne sais pas ce que c'est, donc goodbye. Alors, de toute façon, les creepy petware, je ne sais pas lesquels sont, etc. Donc ça va, je pense que Roxy va monter un niveau aujourd'hui, ça c'est une bonne nouvelle. Donc un level, parce que si on n'a pas de level, là il y a un problème. Donc, comme ça moi je fais des quêtes en même temps. Hop. Ouais, parce que là niveau argent on se met tout bien. Même si puisque je ferai une nouvelle maison, etc. On va changer un petit peu. Donc là, du coup, il reste 10 jours avant l'arrivée du désert et encore 18 jours avant que j'aie mes Robux, logiquement. Ou, attends. Ah non, c'est l'automne, je crois. C'est à l'automne, donc c'est 15 jours. Donc dans un an.
Je ne sais pas c'est dans 4 jours ou c'est dans 18 jours. Alors je pense c'est dans 18 jours pour pas abuser. Mais du coup c'est dans 18 jours. Donc ça signifie 23. Ah pourtant c'est le 22. Hein. Ouais. Ou 24, je ne sais plus. Non, c'est le 22 parce que c'est le 24, je serai à l'avance. Du coup c'est le 22. Donc du coup en gros que oui c'est dans 17 jours. Pour ceux qui veulent savoir, oui c'est dans 17 jours. Et mon anniversaire c'est la semaine prochaine. Donc de la semaine prochaine. Ah oui j'avais oublié le spoil en plus. Ouais bon le spoil il arrivera peut-être aujourd'hui si j'aurai le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui je mettrai le spoil quoi qu'il arrive. Qui arrivera du coup aujourd'hui je pense parce que la dernière fois oui j'avais oublié de mettre le spoil vendredi parce que bon un vendredi j'étais très fatigué j'en pouvais plus. Donc du coup bah j'ai pas oublié le spoil. Bon, du coup, le spoil, ce sera aujourd'hui, donc pour la semaine prochaine. Donc déjà, est-ce que je fais comme l'année dernière ou est-ce que je ferai différemment? Ou est-ce que je referai comme j'avais fait il y avait quelques années? Je ne sais pas. Hein. Je réfléchis parce que quand même, pas facile à jouer à voir. Mais bon. Parce que l'année dernière, je faisais une partie jeu, donc tout ce qu'il y a de Adopt Me, Repet, etc. Et une autre, bon, parce que Repet, bon, maintenant c'est terminé, Repet, hein, même ici je peux continuer. Et la première plutôt, parce que oui, et la deuxième c'était Max Monster Mayhem, Parodie, etc. etc. Par contre, Sigma, pourquoi tu m'attrapes comme ça? Il m'a sauté dessus, là. Bon, du coup, ouais. Bon, du coup, ouais, c'était ça l'année dernière. Ce que je faisais et du coup je pense que cette année je ferai encore une fois différemment parce que je ferai comme l'année dernière je ne sais pas mais je pense que je ferai comme l'année dernière en théorie il y a des chances donc on aura le retour à Max Monster Mayhem voire même je crois deux ou trois parties parce que bon 14 c'est pas facile hein, de faire 14 parce que 12 hein, c'était bien compliqué donc là quoi hein, parce que je changerai comment ça s'appelle je vais dire ma miniature mais c'est pas vraiment ça dans la description de ma chaîne aussi donc je mettrai des je changerai là, je mettrai d'autres trucs parce que ça fait un peu longtemps que j'ai oublié la description de ma chaîne donc par contre ma voix commence à être un peu glauque oui elle est un peu glauque. Ouais, bon, sauf quand je fais une voix comme ça. bah oui, une voix trop aiguë, c'est pas pareil, mon petit gars. Ah, par contre, j'avais prévu de faire un épisode de 30 minutes ou à faire, je sais pas, 20 minutes. Je ne sais pas si je fais 20 minutes ou 30 minutes, parce que parce que oui, comme il y avait un buff. Je réfléchis, est-ce que. Non, on fait le buff, quand même. Donc, on fait le buff. Parce que, quand même, le buff, vous l'avez demandé beaucoup de fois. Alors, surtout pour les épisodes de 20 minutes, parce que personne n'aimait ça. Et ce fonctionnement, même si c'était cool. Hein, mais, voilà. Donc, aujourd'hui, et tout ce qui suivront dans la saison 3, on verra bien, sera du 30 minutes. Voilà. Donc, pour pas abuser, ce sera du 30 minutes. Et les épisodes de base, ça restera 10 minutes pour. Pas craquer non plus sur tous les épisodes à chaque fois. Ouais. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Donc ouais, donc là aujourd'hui on va bien farmer Roxy. D'ailleurs il est pas loin d'avoir une potion d'âge. Donc les potions d'âge je les donnerai au Rhino bien entendu parce que vous m'avez dit quand même bon Lucas tu pouvais faire un autre néon à ce moment-là, non j'ai pas envie. Et en plus j'ai un autre néon Vélociraptor donc on se rapproche du méga mais le méga j'aurais pas le temps de le faire parce que le x2 il va se terminer. Et ouais, donc, du coup à part si je joue toute la nuit à Adopt Me, il y a peu de chance que je peux faire ça.
Et aussi, bon, vous inquiétez pas, le x2 n'est pas vraiment terminé parce que, en fait, la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de vidéo demain et mardi, mais mercredi jusqu'à dimanche, il n'y aura que des vidéos. Donc c'est comme un petit x2 bonus, on va dire, entre guillemets. Donc en gros, on a une vingtaine de jours de vidéos, on va dire ça comme ça, consécutifs. Sauf, ça compte pas lundi, mardi, hein, on s'en fiche. Mais voilà quoi. Donc le délire. Voilà. Et en plus, on est la semaine 19, la semaine prochaine. Ah bah c'est génial, on est presque à la moitié de l'année déjà. C'est assez rapide, hein, dis donc. Déjà la semaine 19, hein, c'est tellement rapide. Même si bon, c'est pas non plus rapide que d'habitude, mais ça va. Ok, Roxy a soif, bah on lui donnera à boire tout à l'heure, là, après le camping. Donc on lui laissera sa quête, parce qu'il y aura l'hôpital après, et comme dans l'hôpital il y a de l'eau, ça peut bien servir. Parce que ouais, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire, ranger les trucs d'anniversaire que j'ai reçus. Dont ma nouvelle peluche Roxy que j'ai eue. Et il est trop mignon. C'est la mascotte de la chaîne, voilà, qui est avec moi. Que j'ai d'autres peluches aussi. Je trouve plus. Ah oui, il est là, Shiba Inu. Bah, j'ai eu le Shiba Inu parce que bah du coup c'est son cousin. Ils sont dans le même œuf, donc c'est rigolo un peu. C'est un peu rigolo. Bon, si je peux ajouter d'autres pets, bah j'ai le chat aussi, donc il va dans le même œuf. Vous voyez, j'ai quand même 3 pets déjà d'un œuf. C'est rigolo. Hein. Même si, oui, le Shiba Inu et le Red Panda, je les ai en figurine et le chat aussi. Donc au moins, ça fait une variété quand même excellente. Parce que si je fais provenance, logiquement, donc c'est dans les pets du début de jeu, parce que dans le début du fonctionnement d'Adopt Me. Donc logiquement, donc dans les premiers pets qui sont sortis, donc c'était, voilà, pet update. Donc il y avait ceux-là. Donc moi, j'ai... Pourquoi? Voilà, donc là, il y a le chat, le Shiba Inu, le Red Panda que j'ai. Et les autres, bon, sortiront bientôt. Bon, la hauteur, elle est disponible en peluche. Le chien aussi. Et il y en a d'autres, hein, le beaver aussi. Le buffalo, je crois, il n'est pas encore sorti. La plupart, ils sont pas encore sortis. La licorne est disponible. Le dragon, il est disponible. Là. Ah oui. Et donc, oui, vraiment, là, il y a beaucoup de peluches disponibles en Adopt Me dans cet œuf. C'est assez rigolo parce que, on mange quasiment tous les pets de l'œuf respectif. C'est assez rigolo. Mais, quand même, je peux vous faire ça parce que. On a déjà un menu qui est fermé à un terrain de Godzilla. La petite douche. Pourquoi ça a fait ce bruit là? Ton Roxy il a pas comment dire, il a pas une potion. Ah peut-être c'est un autre qui a une potion. C'est pas. Ah oui c'est le chat, oui, qui est passé niveau 2. Ouais, parce que ouais je voyais sa barre, ouais elle était complètement vide, donc je me suis dit ouais c'est forcément lui. Dream Pet, Dog Théo. C'est qui Théo? Je ne sais pas qui c'est, mais c'est bizarre. Please 4 for free. Bon, d'accord, il veut des chats, quoi. Si j'ai pas envie d'en donner, parce que bon, un méga chat pour lui, ça serait long. Hein. Allez, hop. Haha, je suis un petit sorcier, je vais voler cette douche. Au moins, j'ai cliqué assez vite. Tac, voilà. Au moins, j'ai fait ma douche et je suis passé à 1700. Du coup, bah, c'est parfait parce que j'ai pas besoin de rester. Donc, à la prochaine quête, à me dire. Donc, c'est parti. Allez, on sort du camping, direction la prochaine quête. Mais c'était quoi la quête? C'était pas si ça. C'était la plage, donc logiquement ça doit être soit l'air de jeu, c'est sûr. Ou ça doit être l'air de jeu et après ça reprendra normal. Ou l'école, je ne sais plus. Ça doit être la plage, hein. Ouais, ça doit être la plage, il y a des chances.
Parce que là, je vais donner à boire à Roxy dans l'école. Ok, la douche, alors là, c'est... Ah oui, c'est le salon, parce que la pizza, je me rappelais plus de la pizza. Tiens, Roxy, comme ça. Ouais, il m'a donné une potion, au moins. Il passe niveau 38, et ça, c'est cool. Son amitié augmente, ça c'est cool. Viens là mon petit. Alors je sais pas s'ils vont tous à la pizza ou est-ce qu'il y en a la plupart qui vont à l'hôpital. Non, pas la plupart, fais voir toi. Pourquoi il s'en va comme ça? Il y en a qui est à l'hôpital, vas-y, tac tac tac. Let's go. Comme ça au moins on est à l'hôpital. On demande le vélo. Il s'appelle Vélo Victor. C'est bizarre. C'est quoi ce nom? Et en plus, il a un nouveau soif. Hein. Et ben là, je suis content. Hein. Là, comme ça, moi, c'est pas gaspillé. Et là... Okay. En plus, j'ai gagné beaucoup d'argent. Bim. Beaucoup d'argent. Même, je suis en 1800. Je peux m'en aller. Hein. On va pas jouer à 1800 dans notre minute. Hein. Je déteste la musique. Il pas de la musique du jeu, mais la musique quand tu soignes les gens. Ouais, ma peluche Roxy, elle est trop belle. Oh, ouais, c'est Roxy. Ouais. La mascotte. Bon, elle est pas méga, mais elle est excellente. Hein. Ouais, j'aime beaucoup la peluche en elle-même. Et en plus, 100% qualité. En qualité diamant plus. Comparé aux autres peluches Adopi fausses comme mon Dragon Faux, là, qui est une qualité. On va dire hein. Rubis plus on va dire rubis plus hein, c'est en dessous de diamant plus hein. Seul qui veut savoir. Oh non, en fait il n'est pas rose parce qu'il est invincible. Oh, un petit bon dragon. Oh, c'est mignon. Attends, on va tomber tout noir. Attends, j'ai une idée. On va lui mettre en bleu, vous allez voir, ça va être cute. Allez, monsieur Babago, mets-toi en couleur bleue. Ah non, ça marche pas. Rigole. En train de lui faire un shampoing. Ça n'a aucun sens. C'est quoi ce jeu? Il y a Rufus là. Il y a toujours Rufus là. Rufus le black macaque. Parce qu'il te donne des claques, MDR. Oui, bah oui, c'est drôle hein, comme blague. Hein. J'ai bientôt à 2000, hein. Après, oui, je peux essayer d'améliorer, on va dire, quasiment tout, parce que là, il est quelle heure, 8h30, bah ça va, c'est bientôt la fin de l'épisode. Donc, on continue un petit peu, là, ouais, donc là, dans 4 jours, ouais, toujours du LMD, parce que ça, là, c'est la roulotte de sorcière, là, de Harry Potter, que j'ai deux fois, là. Voilà, et puis, vous allez voir les jours passés, donc lundi, mardi, ça reprendra... Donc j'ai gagné $150 entre temps, donc je passerai peut-être plus que les caps de 2000. Et pourquoi il y a un crabe? Il y a un crabe de chameau, et donc, du coup, c'est possible de refresh des jouets. Donc c'est cool, au moins, ça va faire mieux. Ça va longtemps. Il manque le bâton. Le bâton comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce jouet. Alors ça a une forme de bâton. Pour ceux qui veulent savoir. Donc rare. Ultra rare. Voilà, c'est ici. Donc la forme de le bâtonnet, je vais l'appeler comme ça. Il s'appelle... Ouais, il y a une épée. Ah, c'est l'épée jouet, la nouvelle, ouais. Disco de forme, ça doit pas être ça. Le truc banane, ça doit pas être ça. Attends, je l'ai eu. Ah non, c'est le luminaire bâton de magie. Ah oui, c'est blanc, en gros. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, j'espère que vous avez plu. Du coup, on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Et je sais pas, peut-être le kit challenge entre-temps. Et n'oubliez pas, tchuss!